La vidéo doit être visionnée dans son intégralité. Faites une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. Les indications de réponse unique ou multiple apparaissent à l'écran. L'épreuve va débuter. La présence de la voiture sur le trottoir m'empêche de continuer. Réponse A. M'oblige à faire demi-tour pour descendre à un endroit où la bordure est basse. Réponse B. M'oblige à prendre des risques en circulant sur la chaussée. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Je marche sur le trottoir. Je dois laisser passer le cycliste. Réponse A. Je traverse sans attendre. Réponse B. Je vérifie que le cycliste va me laisser passer et je traverse. Réponse C. Une seule réponse est attendue. À vélo, je vais tout droit. Quel est le bon positionnement sur la chaussée? Image A, réponse A. Image B, réponse B. Image C, réponse C. Une seule réponse est attendue. Sur une route mouillée, la distance de freinage est allongée, réponse A. Ne change pas, réponse B. Des pneus lisses adhèrent mieux, réponse C. Une seule réponse est attendue.
Dans cette situation, avant de m'engager, je m'assure qu'aucun véhicule n'arrive. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête obligatoirement. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je signale mon intention de dépasser. Réponse A. Je franchis la ligne continue pour dépasser. Réponse B. Je dépasse par la droite. Réponse C. J'attends que les cyclistes se rabattent à droite pour dépasser. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Faire chaque jour le même court trajet diminue le risque d'accident, réponse A. Diminue la vigilance, réponse B. Ne rend pas mon casque indispensable, réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, nous sommes en infraction si nous roulons sur la chaussée, réponse A, sur le trottoir, réponse B. Nous nous mettons en danger, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Rouler avec des feux allumés est obligatoire. Réponse A. Pour être mieux vu, je porte des vêtements réfléchissants. Réponse B. Pour être mieux vu, je porte un casque avec des dispositifs réfléchissants. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Pour emprunter un cyclomoteur, je dois vérifier qu'il est assuré. Réponse A. Avoir un casque à ma taille. Réponse B. Avoir plus de 16 ans. Réponse C. Pour ma sécurité, je vérifie l'état du cyclomoteur. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Après cette zone de travaux, la vitesse maximum autorisée pour un cyclomoteur est de 70 km/h, réponse A, 45 km/h, réponse B, 30 km/h, réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, je suis bien placé. Réponse A. Je gêne les usagers arrivant en face. Réponse B. Je me mets en danger. Réponse C. Je peux tourner immédiatement. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, j'ai signalé mon intention de tourner. Réponse A. Le piéton doit me laisser passer. Réponse B. J'accélère et passe avant le piéton. Réponse C. Je laisse passer le piéton. Réponse D. Une seule réponse est attendue. L'enfant est en danger car il traverse entre deux voitures. Réponse A. Il est vu tardivement par le cyclomotoriste. Réponse B. Il court sur la chaussée. Réponse C. La distance de freinage du cyclomoteur est allongée. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues.
Dans cette situation, comme ma voisine, je ne mets pas ma ceinture. Réponse A. Je mets ma ceinture et je la laisse ne pas s'attacher. Réponse B. Je mets ma ceinture et je lui dis que c'est obligatoire. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, je continue ma route sans intervenir. Réponse A. Je dois alerter les secours. Réponse B. Je suis pénalement responsable si je ne fais rien. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. À l'arrière, la ceinture de sécurité de la passagère est défectueuse. La passagère change de place et s'attache. Réponse A. La passagère reste à sa place et se tient au siège du conducteur. Réponse B. Le conducteur démarre uniquement lorsque tous ses passagers sont attachés. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Il s'agit d'un véhicule conduit par un nouveau conducteur. Réponse A. L'autocollant signale qu'il est conduit par une personne qui se prépare au permis de conduire. Réponse B. Ce dispositif s'adresse à des conducteurs à qui on a retiré le permis de conduire. Réponse C. Une seule réponse est attendue. La consommation d'alcool modifie le champ de vision, réponse A, le temps de réaction, réponse B, les capacités de conduite, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
consommer du cannabis est interdit par la loi? Réponse A. Rouler à cyclomoteur après avoir consommé du cannabis allonge la durée du temps de réaction. Réponse B. Modifie la vision. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. L'épreuve est terminée. Une correction de l'épreuve vous sera présentée.